Bien, tout à l'heure, vous me l'avez transformé à la forme négative. Qui me transforme la phrase arabe à la forme négative maintenant? Non. En français, je vais dire la gomme n'est pas sur la table. Et celle-ci, comment je vais la dire? El mimaton leysa ala tawila. Leysa ala tawila. El mimaton leysa ala tawila. On est d'accord? El mimaton leysa hatalou ala tawila. Pas Leïsa. Ah, c'est peut-être moi qui l'ai mal entendu, tu sais. Leïsat ta'ala. Ala ta'wila. Leïsat ta'ala ta'wila. Il y a un mot qui dit non, alors. Là-dedans. Quel est le mot qui dit non? Leïsat. Oleg, d'après toi, quel est le mot en arabe qui va dire non? Est-ce qu'on a changé quelque chose dans cette phrase? Oui. Quel mot? Qu'est-ce qu'on a changé? Sept. Dis-le. Lei. Leyset. Leyset. C'est ce mot ou les autres qu'il faut trouver en russe. Sterkali rit ligit nastal. Alors, tu vas nous la prononcer, on va essayer de trouver s'il y a un mot qui dit non. Sterkali ligit nastal. Sterkali ligit nastal. Qui peut la redire? Vas-y. Sterkali ligit nastal. Sterka. Nilijit. Nilijit na. Stali. Stali. Qui peut venir au tableau? Un élève qui ne parle pas russe, c'est trop facile. Pour venir me rajouter les mots ou le mot qui dit non. On va voir où est-ce qu'il est. Écris-le. Écris-le. Stelka nilijit. Stelka nilijit. Non. Encore. Fais-moi les gestes que j'arrive bien à le repérer, ce sont. Comme ça, N. Mettre comme ça. N. Et après. Mettre comme ça. N. 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 Et on peut changer. On peut faire. Stolka nie lijit nastali. Et on peut faire stolka lijit nie nastali. Ah, tu peux le placer ailleurs. Oui. D'accord. Il y a deux façons. Alors. Oui. Nastali. Je l'écris un petit peu mieux. D'accord. Donc, pareil, un mot qui va dire non. Donc, finalement, les systèmes sont un peu pareils dans les trois langues. Pour dire une phrase non, une phrase négative, eh bien, je vais rajouter un petit mot. Hein? Qui est-ce qui vient maintenant me les effacer, me les remettre à la forme affirmative? Lis-nous là, d'abord. Sterka neligit nastale. Est-ce que elle nous l'a bien dit? Oui. Oui, à peu près. Alors, efface-nous les mots qui disent non. Né. Né. C'est bon? Oui. On est d'accord? Oui. Bien. Et bien alors, finalement, j'ai trouvé en russe, en français et en arabe mes mots qui disent non. Français, ne pas qui entoure le verbe. Ça, c'est en arabe, la heiset, et en russe, ne. Voilà. D'accord ?